Nous sommes fatigués. Ne revenez plus ici. Il y en a deux en fait. Lequel tu préfères? Le blanc. Non, c'est le mien. Non, à moi. Les filles, je vais larguer Artyom. Il y en a quoi? Les filles, avez-vous vu les deux nouveaux élèves dans notre école, âgés de 11 ans? On dirait que j'ai le béguin. Oui, c'est drôle, alors quoi? Tu as le béguin pour les deux? Au fait, les filles, j'ai entendu dire qu'ils sont basketteurs. Exactement, des joueurs de basketball et mon Artyom ne l'est pas. Bon, les filles, je suis la première à choisir avec qui je vais sortir. Soit le blond, soit le plus brunet. Peut-être même les deux. Julie, coucou. C'est correct s'ils ont déjà des filles? As-tu pensé à ça? C'est pas grave. Des filles, c'est pas des murs. Elles vont bouger. Les filles, je m'en fous. Ce sont des joueurs de basket. Et j'ai toujours voulu sortir avec un joueur de basket. Ces nouveaux élèves de 11e année, je ne suis pas heureux qu'ils soient venus dans notre école. Ouais, des joueurs de basket. Ils vont se promener, se montrer. Les gars, ne vous inquiétez pas pour ça. Je peux marquer des paniers à 3 points à n'importe quel joueur de basket. Juste comme ça. Oh, Dima. Tu ne peux même pas en faire deux. Patrick, ces élèves de 11e ne vont pas y arriver. Oui, ils ne le feront pas. Laissez-les retourner dans leur ancienne école. Oh, les filles, salut! Bonjour les garçons! Diana, il y a quelque chose qui ne va pas ici! De toute façon, les nouveaux joueurs de basket sont là! Des 11e années! Et Julie a déjà choisi son préféré! Les filles, vous savez, certains 11e années, nouveaux, anciens, honnêtement, je m'en fiche! Dima! Hey, Yana, il y a deux nouveaux joueurs de basket, je les avoue! Dima, je ne suis pas intéressée par les joueurs de basket! C'est juste que toute l'école ne peut pas les partager. Tu vas sortir avec qui? Mon Dieu, Zaitseva est là! Elle va mettre un œil sur l'un d'entre eux! Je vais lui couper les cheveux en champignons! Je l'imagine déjà! Yana, calme-toi! Mon Dieu, Yana arrive! Écoute, Zaitseva, que Dieu te préserve! Si tu surveilles les joueurs de basket, tu es morte! Écoute, Yana, je ne veux pas de tes basketteurs! Yana n'a besoin de personne, seulement de moi! Alors va-t'en! Regarde, je t'ai prévenu. Les filles, regardez, Yana a déjà mis un œil sur eux. Oui, même avec Artyom, elle poursuit les basketteurs, mon Dieu. Julie, tu m'entends? Un joueur de basket pour toi, un pour moi. Nastia, je prends le blanc. Comme tu veux. Vous avez entendu ça, les filles? Bonjour. En fait, vous avez des petites amies. Julie, tu as Kostia. Nastia, tu as Artyom. Alors, je vais choisir. Ils ne vont pas être pour vous. Gigi, calme-toi. Toi, attends, d'où, Patrick? Yana veut me larguer. Tout ça, c'est à cause des joueurs de basket. On va les battre aujourd'hui. Les voilà. Les voilà. Assis-toi. Ce sont les nouveaux. Dis-le, ils sont effrayants. Ouais. Les filles, j'ai fait mon choix. Celui avec la chemise verte. Gigi, tu as vu ça? Les filles, je veux celui avec le ballon. Diana, pourquoi tu les regardes? Ils sont terribles. Oui, ils sont terribles. Artyom, on dirait que Diana aussi a le béguin. Je suppose que oui. Hé, les gars, je suis aussi un joueur de basket. Et je m'appelle Patrick, un joueur de basket. Alors, je suis une ballerine. Le petit fouillé. Ouais. Patrick, toi, veux quel ballon il y a? Ouais, je veux un t-shirt comme le sien, un vert. Diana. Oh, quoi, Dima? La cloche, elle est en classe. Foutou, les gars, je n'ai jamais vu de gars aussi terrible. C'est quel genre de joueur de basket? Ils ont l'air normaux. L'important, c'est qu'ils ne se la pètent pas. Diana, dis-nous, ils ne sont vraiment rien. Oh, ils ne sont rien. Les filles, vous savez quoi? Ce type à la peau bronzée m'a regardé. Qui t'a regardé? Gigi, assis-toi. T'es folle ou quoi? Les filles, ce mec au teint clair m'a fait un clin d'œil. Oh, Julie, qui t'a fait un clin d'œil? Vous m'entendez? Celui à la peau bronzée sera à moi. Ouais, on va voir ça. On verra bien. Écoutez, les gars, est-ce que quelqu'un connaît le nom de ces deux joueurs de basket? Diana, je vais te le dire. Tout va tomber. L'un est Smile et l'autre est Browse. Smiley. Des sournois afro, non? Bravasti. Les filles, de quoi avais-je l'air quand ils sont sortis? Comme toujours. Comme d'habitude. Je dois les retrouver dans le couloir maintenant et je dois avoir l'air inhabituel. Où est ce rouge à lèvres brillant? Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Tu es en train de la perdre. Je suis en train de la perdre. Yana, je ne te laisserai pas partir. Je t'aime, je vais t'épouser. Artyom, pourquoi tu te dégonfles comme une feuille dans le vent? Calme-toi. Les gars, l'horaire de l'école dit que la 11e année est en entraînement de basketball. Et je pense que c'est au gymnase. Entraînement? Je reviens tout de suite.
Au fait, ce joueur de basket s'entraîne actuellement dans le gymnase. Kostia, comment le sais-tu? C'est écrit juste ici dans l'horaire. Ah, les gars, je vais aux toilettes et je reviens tout de suite. Ok, chérie, mais reviens vite, mon amour. Où vas-tu, Zaitseva? Écoute, Bandarenko, ce ne sont pas de tes affaires. Hé, hey, lâche-moi! Laisse-moi tranquille aussi! Hé, hey, je suis sortie en premier! D'ailleurs, pourquoi tu pousses? Laisse-moi tranquille! Où vas-tu de toute façon, Zaitseva? Regarde, je vais chercher le journal! Et je vais au carnet! Pourquoi tu me suis de toute façon? Ouais, bien, vas-y! Tu vas le faire entrer? Facile! Dégagez, encore une fois! Peu importe, c'est ça, Yana, dégage! Ah ah, alors, tu es là pour les carnets? Et toi, Diana, pour avoir le journal? Oui, pour le journal, lâche le stylo. Non. Je suis venue en premier. Moi d'abord. Diana, moi d'abord. Non, Diana, tu ne vas pas là-dedans. Moi d'abord. Non, non, je vais aller en premier. Quoi, tu as le méga pour un joueur de basket? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux t'apporter de l'eau, il fait chaud. Basketball, tu as soif. Ou une serviette humide pour essuyer ton front? Hé, hey, les petits enfants, on en a marre. Au revoir. Personne. Personne. Diana, Diana, décroche le téléphone. Dima, Diana est allée dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Aussi longtemps? Pourquoi me fait-elle ça? Artyom, calme-toi. Artyom, calme-toi, tu vas voir, elle ne sortira pas avec lui. Tu sais, lui. Je lui ai déjà acheté une bague de fiançailles, avec un diamant. Artyom, je comprends que tu souffres à cause de Yana, mais tu ne dois pas mentir. Oui, à propos des bagues en diamant, tu ne le crois pas? Toi, veux ça? Oui, joueur de basket. Oh, et maintenant un 3 points. Ok, on continue. Allez. Quoi, petit? Tu vas prendre le basket? Oh, oui. Écoute, ne lui parle pas. Elle est probablement de la 7e année. Sors d'ici, petite. En fait, je suis en 9e. Bon sang! Les garçons de l'eau, il doit faire chaud ici, vous avez soif? Une autre s'en vient. Zaitseva, es-tu ici? Écoute, Bandarenko, je te conseille de partir. Quoi? On verra qui sortira d'ici. Les garçons de l'eau? On en a marre de toi! On en a marre de toi! On en a marre de vous. Ne revenez plus ici. Ah, tout ça est à cause de toi. À cause de toi. Yana, il y en a deux en fait. Lequel tu préfères? Le blanc. Non, c'est le mien. Non, à moi. Bon sang, les gars. Je n'ai jamais vu de gare aussi terrible. Quel genre de basket? Diana! Oh, vraiment, Dima? Bon sang, Yana. Qu'est-ce que tu veux? Zaitseva, tu devrais faire attention, sinon je raconte tout à mon petit frère. Les gars, je n'aime pas ça. Ouais, certains joueurs de basket, ils vont se promener et se montrer. Les gars, ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis sûr. Je n'arrête pas de dire Patrick, qu'est-ce que je dois faire? Tu es en train de la perdre.